Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi notre soirée de football plutôt qu'une série ou un film. On va tout faire pour essayer de vous donner raison. Les conditions de jeu sont bonnes, le ciel est dégagé, la lumière est belle, les tribunes sont pleines, la pelouse est dans un état presque parfait. Espérons maintenant que les joueurs vont être à la hauteur de leur réputation et pourront exprimer tout leur talent, car vu les noms alignés sur la feuille de match, on va se régaler. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Et c'est donc parti. La passe est précise. Bien vu, c'est intercepté. Bon, ok, mais la passe était peut-être un peu téléphonée. De la tête! Oh, ça méritait un meilleur sort. Oui, il n'a pas réussi à cadrer. Il va s'en vouloir. Et il y a du beau monde sur la pelouse. Qui faudra-t-il surveiller, selon vous? Disons Schneider, le meneur de jeu par excellence. Il voit tout avant tout le monde et derrière, il fait la passe qu'il faut. C'est un vrai cauchemar pour les défenses parce qu'en plus, il est complètement ambidextre. Oui, je suis bien d'accord et je suis sûr qu'on n'est pas les seuls à le penser. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Pas encore de but dans ce match, mais ça va changer évidemment quand les équipes auront réellement pris leur marque. Oui, on dirait que personne n'a réellement envie de se découvrir pour l'instant. Ça se comprend, mais c'est un peu frustrant. Avec Schneider. Le jeu repart vers la droite. Il cherche la profondeur. Ça passe. Oh, l'inspiration! Quel manque de précision! Très belle ouverture. Bien joué, il fallait jaillir. Oh, ce jeu de passe, quel régal! Ça n'ira pas plus loin. Et dégagement du gardien. L'Inter, qui n'a encore rien cadré dans cette rencontre. Va-t-il en profiter? La tête! Oh, quelle parade! Et ça peut partir en contre. Schneider. De Jong. Paro Torres. Dans la profondeur. Iniesta! Et le ballon continue de lui coller au pied. Il récupère le ballon. Difficile de faire mieux, franchement. Il y avait tellement de monde dans la surface. L'interception, bien joué. Oui, il a bien anticipé. Il se fait prendre. Oh, le but incroyable de l'Inter! Et premier but pour l'Inter! Le jeu reprend, ça fait 1-0. Ils ont pris l'avantage, mais attention, il reste encore du temps à jouer. Coup franc pour l'Inter. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Bellingham. Alors qu'on s'approche de la demi-heure de jeu. À droite, Schneider. Il y a peut-être un coup à jouer. Et c'est intercepté.
Attention là. Coup franc pour l'Inter. Allez, on va en rester à l'avertissement verbal de la part de l'arbitre. La prochaine fois, ce sera carton. Ils sont encore dans le match alors qu'ils sont largement menés à la possession. Ça tient presque du miracle. Snyder, il va chercher un coéquipier dans la surface, ça paraît plus simple. Allez, se concentrer sur ce coup de pied arrêté. Ça défend comme ça peut. Rudiger, c'est joué long. Il n'y aura personne à la réception de cette longue passe. À 1-0, on peut comprendre que les joueurs n'aient pas très envie de prendre trop de risques, surtout si proche de la mi-temps. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Rudiger, qui a mis son pied en opposition. Bellingham. Oui, ça peut être dangereux. Rodrigo. Et voici Iniesta. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Ballon perdu. Oh, la frappe! Et ça rentre! Il compte maintenant une avance de 2 buts. Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. C'est quand même inquiétant d'encaisser des buts comme ça. C'est soit un problème de communication, soit un problème tactique. En tout cas, il faut vite trouver une solution. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. C'est trop long, pas assez précis. Pau Torres. La fin de cette première période. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va leur faire le plus grand bien. Bon, on ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ces 2 buts d'avance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Et ils ont été efficaces. Nous voici à 2-0. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Il est bien placé. Sur la gauche. Il envoie le ballon. Attention, la frappe! Oh, un centre puissant, mais ça n'ira pas au bout. Il faut continuer avec ce genre de centre, c'est bien. Rodrigo, ça joue à gauche. Oh, c'est bien fait. Mais il paraissait bien seul aussi. Et ce sera une faute. Vinicius Junior. De Jong. Il préfère repasser derrière. Pas le choix avec cette défense. Et il perd l'équilibre. Coup franc pour l'Inter. Rodrigo. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Pau Torres qui concède un coup franc. Cette attaque n'a pas pu se développer.
Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. L'Inter en pleine confiance dans cette rencontre pour l'instant, toujours 2-0. La longue passe. C'est joué long, attention. Allez, ça peut faire mal. Le bon dribble. Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Ce contre peut très bien aller au bout. Quel timing dans l'interception. C'est bien fait ça. Oui, c'est bien défendu, c'était dangereux. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ça aurait pu leur coûter cher. Oh, le bon ballon. Ah, il a essayé, bien joué. Il y a du mouvement. Une occasion. Le centre de Rodrigo. L'interception, bien joué. Quelle passe. Attention, ça peut aller très vite. Ça sprint, côté gauche. Ce ballon, bien dosé. Passe interceptée. Ça peut partir en contre. Quel dribbleur dans la profondeur. Attention à ce centre. C'est bien donné. La frappe. Et il rate le cadre. Oh, il va s'en vouloir. C'était une grosse occasion. C'est l'occasion de procéder à un changement. Vinicius Junior. Oh, Lewandowski. Bien servi. Il remporte son duel. C'est joué long, c'est dangereux. Il joue sur sa gauche. Il choisit le côté gauche. À toute vitesse vers la surface. Le ballon dans la profondeur. Oh, le bon ballon. Il est à distance de tir. Ça, c'est un bon ballon dans la surface. Si joli, c'est fluide, mais c'est un peu stérile quand même. Coup franc pour l'Inter. Et geste mal maîtrisé. Logique, cette sanction. Carton jaune. C'est bien fait, ça. Bien servi. L'Inter, qui mène toujours 2-0, on voit mal maintenant la victoire lui échapper. Dans la profondeur, bien vu. Il tente de la jouer dans l'espace. Intercepté, c'était chaud. Maradona. Allez, oui, ça part bien. Il est passé. C'est joué dans la profondeur. Il écarte. Ah non, c'était compliqué. Oh,
on va jouer 2 minutes de plus. Il allonge le jeu. La longue passe, il peut en profiter. Iniesta. C'est intercepté, quelle bonne lecture. Oui, très bonne anticipation. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. Oh, la performance exceptionnelle de la part de ces joueurs. On a vraiment de la chance d'assister à telle rencontre. Darren, c'est l'heure du bilan. Je meurs d'envie de connaître votre opinion sur cette rencontre. C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. Et on est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous et à très bientôt. Merci, Grégoire. Recordamos a nuestros espectadores que no está permitido el consumo de bebidas alcohólicas dentro del estadio.